adaptă. Și-l suiți. Donc voilà, là on voit que c'est un abri qui est visité parce qu'en fait tu vois des traces d'urine sur, sur la planche. Ouais. Ah. Pareil, j'aurais jamais su. Ah ouais, donc c'est surtout d'avoir des arbres, des trucs pour les échos et tout qui doivent aider. Voilà. Imagine, ouais. Donc en fait elles font un mouvement quoi. Elles font, je sais pas ce qu'il a dit, et Christelle, elle a référencé un peu toute la biodiversité du domaine. Ah oui. Pour toutes les faunes et flore, pour pouvoir voir un peu ce qui se passe dans ce domaine. Et ça nous a permis d'avoir la HVE, haute valeur environnementale, pour le domaine avant d'avoir la certification bio. Ah ok, c'est bien ça. Ouais, donc ça va être les premiers à être estampillés, ouais. C'est chouette, ça. Non, c'est bien. Ouais, et puis bon, j'avais fait tout un travail de recensement de tout ce qui est biodiversité, des haies, des zones d'herbe, des landes, autour des parcelles, pour essayer de préserver tout ce patrimoine qu'on a, quoi. C'est super. Et voilà, qui est utile pour les insectes. Voilà, donc on est assez sensible à tout ça. On a installé des nichoirs à mésanges aussi, qui sont habités. On a une petite famille. Ah, c'est trop chou. Incroyable mais vrai, j'ai appris donc que les chauves-souris aident les vignes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles vont manger les insectes. En une seule nuit, elles peuvent manger entre 1500 et 3000 insectes. Et les chauves-souris, comme elles chassent la nuit, eh bien, grâce au système d'écho qu'elles ont en émettant des ultrasons et capter leurs réflexions, ça leur permet vraiment de localiser les proies, les obstacles. La nature est vraiment bien faite et la majorité des insectes ravageurs de la vigne volent la nuit. Voilà le rôle tout simplement des chauves-souris dans les vignes. Et merci au Château de Lancyre encore pour une magnifique collaboration.